L'expérience mariée au premier regard 2022 n'a pas vraiment été positive pour Cindy. Si l'émission de M6 lui a permis de faire de belles rencontres parmi les candidats, elle n'a pas trouvé l'homme de sa vie en la personne de Geoffrey, avec lequel elle était compatible à 76%. Malgré tout, sa situation amoureuse a changé depuis le tournage. La belle esthéticienne de 33 ans n'est en effet plus un cœur à prendre comme elle l'a confié à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs. Aujourd'hui, je mène ma petite barque tranquille. J'ai rencontré quelqu'un, si esti très récent. Cela reste très récent, on verra ce que ça donne, a-t-elle révélé. Cindy a ensuite tenu à adresser un petit message à son ancien mari Geoffrey, « Je souhaite que Geoffrey soit heureux et que je le sois de même. Que tout le monde trouve la paix et son âme sœur. » Si durant plusieurs mois, Cindy et Geoffrey ne se sont pas donné de nouvelles, ils ont fini par reprendre contact au début de la diffusion. On a tourné les bilans séparément. On a repris contact au début de la diffusion, il n'était pas téléphone avant, il n'était pas téléphone après, rire. Ce n'est pas mon ennemi, ce n'est pas mon ami. On a vécu la même expérience extraordinaire, on n'avait pas les mêmes attentes, si est-il comme ça. Je suis déçu, j'aurais aimé quelqu'un de plus près, mais si est-il comme ça, il faut se relever, a-t-elle conclu. De son côté, Geoffrey a récemment révélé à nos confrères de télévision Mag qu'il avait eu des aventures depuis la fin de Mariée au premier regard. Mais aujourd'hui, le grand ami de Frédéric Bousquet et Florent Manaudou est toujours célibataire. Rappelons que, s'il était très complice lors de leur rencontre le jour de leur mariage à Gibraltar, la jeune femme s'est vite rendue compte que son mari n'était pas un homme fait pour elle. Elle lui a notamment reproché de ne pas être posée ou de ne pas s'intéresser à elle lors du voyage de noces. Elle a même douté de sa sincérité. Autant de choses qui lui ont donné envie de divorcer. Un divorce qui lui a finalement permis une nouvelle rencontre.